Bienvenue dans le monde des freestylers. Moi, c'est Sophia, et je vais t'expliquer comment ça marche. Ici, il n'y a que le fun qui compte. Si tu veux nous rejoindre, c'est facile. Tu prends un avion, tu fais toutes les acrobaties de la liste dans l'ordre indiqué, et n'oublie surtout pas ton sac à vomi. Si tu l'utilises, t'as perdu. Mais si tu bats mon score, tu gagnes. Plus tard, je te montrerai ce que je sais faire, mais pour l'instant, c'est ton tour. 3, 2, 1. Essaye un tonneau maintenant. Commence par stabiliser l'avion et oriente le stick dans la direction que tu veux pour réaliser un tonneau complet. C'est compris ? On passe au air drift. Maintiens ton palonnier gauche ou droit enclenché suffisamment longtemps et fais des essais. Prudence pour les vols à la verticale. Oriente une des ailes de ton avion vers le bas et ça devrait le faire. Essaye un looping. Tire sur le manche pour faire un tour à 360 degrés. Et maintenant, basse altitude. Je te laisse deviner de quoi il s'agit. Fais juste gaffe à pas voler trop près des arbres si tu veux pas un cours intensif en atterrissage d'urgence. C'était mortel, bravo. T'as assuré. Faut que tu rencontres mon pote Emmett au barn. Je suis sûre qu'on te trouvera des trucs à faire. Moi, c'est Emmett. Et toi, tu dois être le nouveau talent dont Sophia m'a parlé, non? On va voir si elle sait aussi bien évaluer ses recrues qu'elle sait piloter. Et conduire. Et aussi... tout ça, quoi. Bref, tu m'as compris. Alors, je dois t'expliquer ce qu'on fait ici. C'est pas facile à décrire. Tu vois ces mecs, là? Ils bossent dur, ils aiment s'éclater. Et ils arrivent à vivre de leur passion. Si on n'est pas capable d'en faire autant... c'est qu'on n'a rien à faire ici. Mais bon, Sophia a l'air de te faire confiance. Ça veut dire qu'elle t'aime bien. Au fait, elle et moi, on a quelque chose pour toi au magasin. C'est là-bas. Tu pourras prendre de nouveaux modèles une fois que t'auras chopé les bases. Mais je vais t'en offrir un, juste pour te faire plaisir. Et n'oublie pas de sourire quand Sophia t'aura bien humilié là-haut. En attendant, tu devrais te trouver quelque chose à faire. Ici, il n'y a pas de règles, à part « fais ton mieux et éclate-toi ». T'as intérêt à les respecter.
sais quoi? Il y a un moyen facile de gagner des followers. T'as juste à faire des trucs cool comme voler en dessous des ponts, drifter ou faire des sauts énormes. Plus t'enchaînes de figures, plus ça te rapporte de followers.
J'ai modifié 2-3 trucs pour que tu puisses passer plus rapidement d'un type de véhicule à un autre. C'est qui le meilleur, hein? C'est qui, hein? Bah c'est moi, non?
pourrais gagner de nouveaux followers avec l'action que tu viens de faire. Toutes celles que tu réaliseras à partir de maintenant t'en rapporteront encore plus. Alors donne-toi à fond.
Vu qu'on n'est pas officiel, on n'a pas de championnat. Du coup, à la place, on a la liste. C'est comme un classement non officiel des 10 meilleurs pilotes. Quand t'es sur la liste, les gens commencent à savoir qui t'es. Et si jamais t'arrives à être numéro 1, eh ben, t'as tout gagné. Sauf que, bien entendu, tu vas commencer tout en bas. Patience, chaque chose en son temps.
devrais peut-être t'intéresser un peu à l'initiation pro-racing, non? Qu'est-ce qui te retient? Après tout, c'est juste des courses avec les voitures les plus rapides du monde, des powerboats, un nouveau type d'avion et un... Ok, je dis pas.
Ici, tu retrouveras les différentes choses que tu peux faire au sein de chaque famille. C'est pareil que ce qu'il y a sur la carte live, mais organisé un peu différemment. T'as les épreuves qui sont classées par discipline ainsi que les défis, si jamais tu veux essayer de battre les records établis par tes amis et tes rivaux. Ah, et il y a l'album photo aussi, bien sûr.